Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien ? Ok. Bienvenue. C'est le début, là. C'est vraiment la première rencontre. On a vu des lycéens ce matin, mais la première rencontre publique du festival, de sa première édition. Donc, merci d'être là. Ça fait chaud au cœur de commencer ensemble et de commencer avec Pierrick Bailly, qui, dans les quelques-unes des lignes de programmation qu'on avait quand on construit le programme d'un festival, on a un certain nombre de critères, en réunissait au moins deux, à savoir de traiter d'une certaine réalité, de partir, de fonder ses romans depuis une certaine réalité sociale, géographique, contemporaine, et également d'être dans l'actualité, puisque ce livre « Les enfants des autres », qui est son cinquième aux éditions POL, vient tout juste de paraître début janvier. Bon, ça, ce sont deux critères objectifs. Après, je vais passer aux critères subjectifs. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, comme j'avais également beaucoup aimé le précédent, dont on va se permettre de parler un peu, même et sans doute parce qu'il est très différent. Les enfants des autres, donc, c'est un roman absolument romanesque. C'est même ce qu'on appelle un page-turner, c'est-à-dire qu'on se retrouve embarqué dans quelque chose d'assez haletant, avec du suspense, avec des aspects quasiment fantastiques, ou j'y quasiment non, des aspects fantastiques, puisque la réalité, et entendons le réel sous cet aspect-là, la réalité la plus quotidienne et la plus concrète se retrouve mise en défaut par ce qu'il se passe dans la fiction. Bienvenue Pierrick. Bonjour, merci voilà. D'être là malgré le vent et la pluie et la neige, je ne sais pas. Oui, la neige, c'était... Il a neigé chez vous ces jours-là ? Non, non. Il y avait de la neige chez moi, dans le Jura où se passe le roman ce matin. Et je crois qu'on va commencer par un petit temps de lecture. Voilà. Commençons les choses par le début, parce que, comme je le disais, ce livre serpente et se dévore, et particulièrement romanesque en ce sens. Et donc, le mieux pour y entrer, c'est de démarrer par le début et en remerciant Pierrick de bien vouloir nous en lire un extrait qui est le tout début. Je ne lis pas toujours très bien, donc il ne faut pas m'en vouloir. Hein. C'est surtout vous, parce que je pense que vous lisez bien. Julie se défoule sur son sac de frappe. Elle accompagne chaque coup en soufflant fort. J'avance à tâtons avec l'intention de la surprendre. Elle ne s'est toujours pas rendue compte de ma présence. En me décalant sur la droite, qu'est-ce que je vois qui dépasse du renfoncement derrière la cuve à fioul ? Deux pieds nus. Un nouveau pas de côté et je découvre Max tout entier. Il sort de sa planque. Julie s'arrête de cogner et se retourne enfin. Oh non, Bobby. Elle se prend la tête dans ses gants de boxe et je remarque qu'elle n'est même pas essoufflée. Je comprends très bien pourquoi. Elle s'accroupit et ne bouge plus. Elle est comme paralysée. Mais c'est d'abord à Max que j'en veux. C'est sur lui que je me focalise. C'est lui que je ne lâche pas des yeux tandis qu'il traverse la pièce pour aller récupérer ses chaussures avant de se mettre à baragouiner qu'il ne faut pas que j'imagine n'importe quoi et qu'il va tout m'expliquer. Et je n'ai pas envie de l'entendre parler, pas envie d'entendre sa voix chevrotante, pas envie de l'avoir en face de moi. Je l'ai trop vu, je ne veux plus le voir, j'ai l'impression d'avoir tout vu. Tout ce qui se passait ici juste avant qu'il se rhabille à toute vitesse en m'entendant arriver. J'ai l'impression de les avoir vus à poil tous les deux et de les avoir vus s'embrasser et de les avoir vus baiser. De l'avoir vu, elle, le sucer, lui, la lécher, lui mettre un doigt, et j'ai la nausée rien que de l'écouter balbutier et même postillonner comme un petit garçon paniqué tout en nouant ses lacets. Il doit lire dans mes pensées parce qu'il abrège, finalement. Il gagne la terrasse au pas de charge, et je le suis pour lui mettre la pression. Dans le garage, il récupère son VTT Rossignol tout suspendu et sa fourche RockShox Révélation, cadeau d'anniversaire de ses amis, auquel j'ai participé, bien sûr, et que je n'ai même pas remarqué en passant 3 minutes plus tôt. C'est donc comme ça qu'il s'y est pris pour venir sauter ma femme en mon absence. Puis il quitte le garage et disparaît du paysage. Je retrouve Julie sur la terrasse, qui entre-temps a retiré ses gants. Elle m'assure que c'est récent, que c'est rien, que c'était juste un dérapage. Je lui demande si c'était la première fois, elle me dit que oui, enfin pas la première, mais presque, la deuxième ou troisième fois, et je ne vois pas pourquoi je m'amuserais à la croire. Ça fait peut-être des mois en vérité, ou même des années. Je pense à nos enfants, dont je n'ai jamais trouvé qu'ils ressemblaient tellement à Max. Ils ont tous les trois les cheveux frisés comme moi.
Non, je ne crois pas que j'aie de soucis à me faire de ce côté-là. Mais je lui dis de se rendre compte quand même qu'elle n'a pas choisi n'importe qui. Qu'elle n'a pas choisi un collègue de travail ou un type croisé dans un bar. Elle a choisi Max. Elle a choisi mon meilleur ami. Je continue ou... Moi, je veux bien. Ah ouais ? Bon, bah allez. Merci. Je continue. De formuler les choses comme ça ne m'aide pas à me calmer. Au contraire, ça ne fait que décupler ma rage. Je sens que ça me monte à la tête et j'ai besoin de bouger, de m'isoler. Et je rentre dans la maison et je claque toutes les portes et j'entends courir à l'étage. Mais ce n'est pas à moi de leur expliquer. Qu'elle s'en charge, qu'elle assume. Je n'ai pas envie de jouer les gentils pères, pas envie de les écouter ni de les réconforter. Je ne réponds à aucune de leurs tentatives d'approche, à aucune de leurs sollicitations. Je m'enferme dans la chambre et me nourris de ma rancœur, touille dans mon seau de bile, m'emmêle les pinceaux, perds le fil, m'embourbe, tout en ayant l'impression pourtant de ne jamais avoir été aussi lucide, de tout comprendre pour la première fois de ma vie, d'avoir enfin trouvé l'interrupteur après 30 ans à tâtonner dans le noir complet. Encore ? Faux. Ouais ? Bon. Tant que vous faites comme ça, je continue. Ça dure comme ça pendant tout l'après-midi et toute la soirée. Julie est dévastée et je ne veux pas dormir avec elle. Il ne manquerait plus que ça. Quand elle vient se coucher, je descends dans la cuisine et avale une banane et attrape une bière au frigo, puis un manteau, une paire de gants et un bonnet dans l'entrée et sors de la maison. Je traverse la route pour rejoindre le chemin d'en face, celui qui mène au champ, puis à un vaste enclos à cochons si on le poursuit sur 2 ou 3 kilomètres, mais je bifurque assez vite et m'enfonce dans les bois. J'avance parmi les branches cassées et les troncs arrachés et m'arrête pour finir ma bière dont j'oublie la bouteille sur une souche en repartant. Une souche de sapin, de hêtre, de chêne. Je ne fais pas attention. Je commence à grimper dans la forêt et je tiens un bon rythme. Je suis comme en pilotage automatique, coupé du monde, dans ma bulle, insensible à ce qui m'entoure. Un lynx pourrait passer sous mes yeux, que je n'y verrais que du feu. J'écrase les fougères, glisse sur une racine humide et suis à 2 doigts de me vautrer dans la mousse. Je pourrais aller jusqu'au lac, mais je préfère redescendre par la route et rentrer au village, puis à la maison, traverser le garage, m'allonger au milieu du jardin sur le ventre, le nez dans l'herbe, et entamer une conversation avec un ver louisant, à qui je susurre mes petits malheurs et qui ne me coupe pas la parole toutes les 10 secondes, lui au moins. Je consulte mon téléphone, il est 2 heures du matin. Je note que Julie m'a appelé 5 fois, la première à 1h30. J'écoute les 3 messages qu'elle m'a laissés, elle me demande de la rappeler et menace de prévenir les flics, mais je sais qu'elle ne l'a pas fait, parce qu'elle ne l'a jamais fait. Même la première fois que je suis parti comme ça, elle ne s'est pas vraiment inquiétée. Elle savait que je reviendrais. Merci. Et voilà, et on l'a bien senti avec cette lecture reprise, c'est un livre qu'on lâche pas, qui part d'une situation très concrète, qui serait presque celle d'un vaudeville, avec des qualités évidentes, et j'y repensais en direct en l'entendant, enfin de restitution psychologique fine, c'est-à-dire l'état dans lequel il est très 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 bien décrit, ce mélange de mauvaise foi et d'impression de lucidité. C'est un livre qui se permet d'être drôle aussi dans cet humour noir des situations. Donc ça, vous l'avez entendu. Et puis, on ne peut pas lire les 30 premières pages entières, même si ça vaudrait le coup. Ce qui arrive à ce narrateur, c'est que c'est un premier pan de sa réalité, donc ce sur quoi il fonde sa vérité quotidienne, ce en quoi il croit essentiellement, qui s'effondre. Et puis après, un peu plus loin, et ça je vais vous demander de nous en dire quelques mots pour ne pas moi faire tout le pitch à votre place, ne pas prendre toute la place. Un peu plus loin, dans une sorte de deuxième chapitre, après cette balade dans les bois, il se passe autre chose. Et donc ça prend encore une toute autre tournure. Il se produit ce qu'on appelle dans le cinéma populaire un twist. C'est-à-dire que c'est ce qu'on pourra qualifier de bascule narrative. C'est-à-dire qu'on... pour vous raconter ce qui se passe tout simplement, donc Bobby, le narrateur du livre, qui dans la situation que je vous ai exposée, vit avec Julie et a 3 enfants, 3 garçons, rentre du travail et demande à Julie, sa femme, comment ça s'est passé avec les enfants aujourd'hui. Et Julie lui répond, mais de quels enfants tu parles ? Et donc il revient dans une configuration familiale où il vit toujours avec Julie, mais où il n'y a plus d'enfants.
Mais les enfants ne se sont pas évaporés, ils existent quand même. Sauf que ce sont maintenant les enfants de Max. Max avec qui Bobby a surpris sa femme au tout début de l'histoire. Et voilà, on peut pas aller... Et pendant une bonne partie du livre, Bobby va chercher à comprendre ce qui lui arrive, évidemment. On ne peut pas aller plus loin parce que nous ne nous spoilerons pas. Mais on parlera quand même de la structure sans spoiler, ce qui est assez délicat. Parce que ça, c'est un deuxième pan de réalité qui s'effondre. Il pense d'abord... situation de vaudeville presque ordinaire, sa femme le trompe avec son meilleur ami. Bon, et en même temps, c'est un effondrement assez essentiel. Et deuxième pan, les enfants, qui existent bien, comme vous l'avez dit, ne sont pas les siens. Sont ceux de Max. Alors là... En entendant le début, je me dis, mais c'est déjà un pressentiment qu'il a au moment de l'adultère, en plus. Il se dit, tiens, non, les enfants sont bien à moi. Et puis, en fait, non. Il y a comme une réalité parallèle. Et l'habileté de ça, et c'est pour ça qu'on est du côté du fantastique aussi, mais d'un fantastique qui pourrait lorgner du côté de chez Philippe K. Dick ou du Emmanuel Carrère de La Moustache, livre paru chez POL également. Il y a une réalité, a priori objective, a priori importante quand même. J'ai trois enfants avec une personne, un foyer, qui devient une fiction. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est jouissif, c'est drôle, même quand c'est sinistre, parce qu'on va de catastrophe en catastrophe. Mais c'est aussi une façon de questionnement de quelque chose de si ordinaire qu'on ne le questionne jamais sous cet angle-là, mais de la famille en elle-même. C'est-à-dire le foyer, cette réalité tangible et qui fonde vraiment la vie et les principes de vie d'un narrateur comme celui-là, dans ces endroits-là, dans cette sociologie-là aussi, est une fiction. Et c'est ça qui produit de la fiction en même temps. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment, par quoi ça a démarré. Est-ce que ça a démarré de la réflexion sur la famille ou de situations enchaînées? Non, ça a démarré d'une idée qui vient du quotidien, en fait. Moi-même, en rentrant chez moi un soir, m'imaginant retrouver ma petite cellule familiale, en sachant ce qui m'attendait, c'est-à-dire potentiellement des cris, de la fatigue, du conflit. Je me suis imaginé dire à ma femme, exactement comme Bobby le fait, ça va les filles, puisque j'avais pas bon, peu importe. Et je l'ai imaginé, mais c'était presque un fantasme, voire un rêve, quoi, qui disait finalement un sentiment de ras-le-bol ou de crise qu'on peut connaître en tant que parent, je pense, en tant que jeune parent. Et cette idée-là, je l'ai trouvée intéressante. Je l'ai notée sur une feuille volante que j'ai laissée traîner sur mon bureau. Mais je la prenais pas plus au sérieux que ça. Je me disais éventuellement si un jour on me demande d'écrire quelque chose, mais je me disais que c'était pas pour moi ou pas pour un roman. Et j'ai commencé, je venais de commencer à écrire autre chose, donc cette situation de départ qui venait en fait d'un autre livre. Je ne sais pas s'il faut que je remonte aux sources, ça peut être, ça risque de faire un peu de casser un peu ce qu'on peut imaginer de la fabrication romanesque, mais finalement, le début, les cinq pages que je vous ai lues tout à l'heure, elles sont issues d'un autre projet que j'ai mis à la poubelle, que j'avais essayé d'écrire 6 mois avant. Et comme je fais à chaque fois, une fois le livre terminé, c'est une sorte de roman noir qui se passait un peu dans le Jura, déjà. Je l'ai donné à lire à ma femme. C'est un peu ma première lectrice et son avis compte beaucoup pour moi. Et elle m'a dit que c'était pas bien. Mais par contre, elle a fait par contre, il y a une dizaine de pages à la fin où là, il y a quelque chose qui fonctionne. C'est plus incarné, quoi. Le personnage existe, l'écriture, voilà, nous fait croire à la situation. Et puis, du temps a passé.
Et puis, en voulant me remettre à écrire, tout bêtement, je me suis dit, bah, s'il y a ces 10 pages qui fonctionnent, je vais les prendre, puis je vais les mettre au début d'un fichier Word, puis ce sera le début d'un roman, quoi. Et j'avais 10 pages, donc un narrateur qui découvre son meilleur ami avec sa femme. Et puis, je n'avais pas vraiment d'idée. Et puis, à côté de ça, c'est très, très basique hein, comme récit, mais à côté de ça, j'avais cette feuille volante avec cette idée de ça va les enfants, mais de quels enfants, quoi. Et puis, j'ai tout simplement imbriqué les deux blocs, quoi, les deux idées. Et puis, je me suis fait un peu avoir par cette idée à laquelle je ne croyais pas, puisqu'elle m'a... Elle m'a un peu attrapé, comme peut-être c'est le cas à la lecture aussi. Et c'est vrai que cette première partie, quasiment la première moitié du livre, où Bobby cherche à savoir ce qui se passe, quoi, où il croit en tout cas être le père des trois garçons, je l'ai écrite assez vite. Et j'étais moi-même comme... J'étais à la place de Bobby, en fait. Et d'ailleurs, en écrivant le livre, en écrivant en tout cas cette partie, ce début, j'étais persuadé que c'était les siens. Parce que j'avais besoin de ça pour l'écrire. J'avais besoin d'y croire. J'étais pas dans la. Je me mettais. Quoi, je pensais pas à la suite du livre ou j'étais pas dans des questions de construction ou même de discours. J'étais vraiment au plus près de ces émotions, même si de toute façon la situation était tellement impossible. Et puis, je ne peux pas non plus l'emmener directement chez les flics, parce que bon, sinon, l'histoire s'arrête au bout de 20 pages. Mais j'avais besoin d'être de son côté, quoi. Donc, j'étais de son côté, avec lui, un peu perdu. Et comme il se retrouve assez souvent perdu au volant de sa voiture, à suivre, à un moment donné, par exemple, le pick-up de Max dans la benne duquel il y a un de ses fils qui ne manifeste aucun intérêt pour lui, ce qui est un peu déchirant, quoi. En l'écrivant, j'étais à sa place, je souffrais à sa place, quoi. Parce que c'est ça qui fonctionne. Vous avez parlé d'y croire en fait au personnage, et c'est ça qui fonctionne admirablement bien. Parce que quand je dis que c'est un livre qui fait réfléchir, il fait réfléchir depuis cette propre position romanesque, qui est que on le croit. Il y a cette espèce de pacte romanesque qui fait qu'on est avec lui et qu'on traverse sa situation en même temps que lui, et que du coup, ses réflexions volontairement terre à terre, enfin, il est dans un rapport terre à terre aux choses, mais face à une situation totalement dingue, sont effectivement à la fois déchirantes et en même temps dans le comique de la situation. C'est-à-dire que c'est aussi, ça peut aussi être un postulat de comédie, ce genre d'impossibilité-là, de changement. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe par moments. Il y a des moments de gag, puisque pour lutter contre cette folie qui monte... Il se met à soigner une blessure avec des médicaments. Et ça provoque des formes de délire également. Oui, c'est une autre partie du livre. Puisque le livre fonctionne par retournements successifs. C'est comme ça que je m'en sors avec cette idée. Parce que vous parliez de la moustache. Alors, la moustache, c'est pareil. Je ne sais pas s'il faut que je parle de la moustache. Mais comme à chaque fois, vous dites oui, je vais parler de la moustache. On a le temps. Moi, je suis là pour dire oui. Moi. Voilà, super. Je suis monsieur d'accord. C'est bien. En fait, j'ai jamais lu La Moustache. J'ai pas vu le film. J'ai pas pensé à La Moustache d'Emmanuel Carrère. Pour ceux qui connaissent pas, La Moustache, c'est un livre d'un monsieur qui est publié chez le même éditeur, donc ça peut créer. Et au début duquel, je crois, un homme qui porte la moustache décide de se la raser. Et après, il va voir sa femme. J'imagine qu'il dit « t'as vu, sans moustache » ou je sais pas, ou peut-être qu'il attend une réaction de sa femme, je crois que c'est ça. Et sa femme lui défend l'idée qu'il n'a jamais porté de moustache. Vous voyez, on peut se dire « oh bah machin, il a remplacé la moustache par les enfants, quoi. » Sauf que j'ai pas pensé, j'avoue que si j'avais pensé, il est possible que j'aurais laissé tomber mon projet. En plus, chez cet éditeur, il y a un précédent un peu douloureux autour de la question du plagiat et tout. Et Emmanuel Carrère, c'est un peu la vedette de chez POL. Donc, je voulais pas faire quoi. Voilà, je voulais pas m'amuser à ça. Et c'est vrai qu'au début, quand on m'a sorti la moustache, j'étais un petit peu désemparé, un peu embêté.
Parce que je veux vraiment pas donner l'impression d'avoir essayé de... J'y ai relié comme ça, et vous n'en faites pas du tout la même chose, mais... Je sais, et d'ailleurs, je vous en veux pas, c'était pas pour... Moi, je suis toujours d'accord, de toute façon. Mais j'ai cité aussi Kadic, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, Carrère a travaillé autour de Kadic, oui. Hein, qui est un auteur du fantastique, à qui on doit plein de blockbusters américains, qui sont toujours basés, quels qu'ils soient, même dans un décor de science-fiction, sur une réalité qui en cache une autre, en fait. Une réalité qui n'est qu'une apparence et derrière le voile duquel autre chose se passe. Donc c'est à la fois un postulat du fantastique et en même temps, ce qui m'intéresse, ça part de quelque chose à la fois, je vais me répéter par rapport au début, mais je pense que cette fiction fonctionne depuis ça, à la fois extrêmement commun comme situation, c'est-à-dire d'avoir des enfants ou pas, on est dans une expérience du monde assez ordinaire, dans un environnement volontairement ordinaire aussi, puis ça on va peut-être en parler après. Et en même temps fondamental, c'est-à-dire que ça remet en cause tout son être. C'est un postulat du fantastique, mais qui du coup métaphoriquement, enfin ça devient une remise en cause de la réalité elle-même. Est-ce que le monde autour existe en fait ? Oui, mais comme c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que ça part du quotidien. Et ça parle avant tout du quotidien. Et si ce livre, je l'ai écrit, c'est parce que cette idée, en effet, qui relève un peu du genre fantastique, eh ben, elle me parle, elle a du sens, en fait, par rapport à ce que je vis et, au moment où je l'écris. Donc, pour moi, c'est avant tout un livre qui parle de la famille, ou en tout cas, c'était avant tout l'occasion d'évoquer ce que je pouvais vivre en tant que jeune père et puis en plus, le tout étant ancré dans un monde particulier, dans un milieu social et une géographie assez, assez singulière. Mais je sais plus vraiment. Donc je parle de la puissance de comment dire, psychique, que ça provoque. C'est-à-dire que on peut, avec ce livre, on n'est pas obligé, mais on peut, et je pense qu'on est mis en situation de réfléchir à ça, alors que le livre est un livre d'action. Oui, j'aime bien, je pense que c'est le cas de plein d'auteurs, mais essayer de rendre le lecteur assez actif face à ce qu'il lit, et c'est même quelque chose, finalement, qu'on peut trouver dans le roman policier. On dit souvent des polars qui attrapent le lecteur par la main et qui l'emmènent là où l'auteur le souhaite et que le lecteur n'a peu de place finalement. Et je me dis que face à un polar, quand on lit un polar, et même un truc très basique où il est question de savoir qui a tué Madame Pervenche ou je ne sais qui, et ben, on passe notre temps en tant que lecteur à se poser des questions. Donc on est finalement très actif. Et je crois que le côté peut-être jouissif que peut procurer la lecture, c'est d'interroger sans cesse ce qu'on nous raconte, quoi. C'est de ne pas forcément croire, être au premier degré au premier degré ce qui nous est raconté, quoi. Donc c'est peut-être ce qui se produit avec ce livre, mais j'avoue que c'est quelque chose qui m'a un peu échappé quand je l'ai écrit. Moi, je croyais aux bascules, je croyais aux situations, et je l'ai écrit en étant au premier degré avec le narrateur. Et c'est finalement quelque chose qui se produit souvent, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres auteurs, mais il y a des choses que je découvre, les lectures qu'on fait d'un livre quand il sort, est souvent une surprise, en tout cas pour moi, ça l'a été plusieurs fois. Et avec ce livre-là, j'ai l'impression d'aller de surprise en surprise, parce qu'en plus, il suscite des réactions très différentes selon les personnes. Donc à chaque fois, on me parle d'un ressenti différent, ou d'une relation très différente à ce livre. Mais comme je vous dis, quand je l'ai écrit, j'étais avec lui au premier degré. Et nous, ça nous donne les choses aussi au premier degré. Il y a une grande précision du détail. Du détail de sa vie, de ce qui constitue sa vie, et ça, c'est situé. C'est important parce que dans ce livre-là, mais c'est aussi l'ensemble de votre travail qui est situé. Et quand vous avez dit bonjour tout à l'heure, vous avez parlé du temps qu'il faisait là-bas d'où vous venez, et dans beaucoup d'interventions, vous en parlez, c'est-à-dire de la campagne. De la campagne, du Jura, qui est un autre endroit qu'ici,
Et pour le coup, là, le concernant du monde ouvrier, c'est-à-dire d'un certain entre prolétariat et classe moyenne, de ce qu'on appelle ou de ce qu'on regarde depuis Paris ou depuis la centralité, quelle qu'elle soit, ce qu'on appelle parfois des délaissés, enfin les lieux, hein, des délaissés, des régions éloignées de plein de choses. C'est ça qui constitue aussi, non pas seulement l'intérêt, ça a un intérêt documentaire, je pense, mais c'est ça qui permet également d'incarner le personnage. Et ça c'est récurrent, c'est-à-dire que c'est, vous allez me dire, tout simple, je pense, et en même temps extrêmement précisément, rigoureusement reconstitué. Ouais, ma préoccupation était peut-être plus là, d'être précis sur ces éléments-là, sur ces questions-là. Et c'est vrai que j'écris à partir du monde dans lequel je vis. Et en même temps, comme on l'a dit, j'ai cette ambition, si on peut dire ça comme ça, d'écrire des romans et non des documentaires ou d'être du côté du témoignage ou je ne sais pas quoi. Et je pense que c'est peut-être même la meilleure manière de défendre ce monde que de lui donner la place, de lui faire une place dans un écran de fiction, quoi. C'est souvent un monde dont on parle en prenant le biais du documentaire ou alors vraiment de la fiction sociale, ce qui peut donner lieu à des réussites, hein, vraiment. Mais moi, j'aime bien aussi situer une histoire dans ce monde-là, mais qui pourrait être presque la même si elle se situait dans n'importe quel autre univers, social comme géographique, c'est-à-dire le postulat de départ et ces histoires de bascule et tout ce qui se passe autour de la famille et de ce couple, etc., finalement pourrait avoir lieu dans un univers bourgeois et citadin. Et j'aime bien cette idée-là. Souvent, j'ai l'impression que les romans ou les films qui se passent dans des univers citadins bourgeois s'autorise plus facilement à traiter de questions universelles. Ça va être plus facilement des histoires d'amour, des histoires d'amitié. Alors que quand ça se passe chez les pauvres, ce sont des histoires sur la pauvreté. Et moi, il ne s'agit pas de parler de la pauvreté quand j'écris un livre. Peut-être que je fais avec ce monde-là, mais je pense que la meilleure manière de... peut-être de valoriser un monde, c'est de lui offrir un traitement universel, quoi. Et ça implique du coup le même rapport à la géographie, aux détails, la même attention aux détails que celle dont peut faire preuve Modiano quand il tient à recenser chaque pas dans chaque rue, chaque bar, chaque tout ça, quoi. Je prends un exemple un peu bateau, mais qui peut être parlant. Et ça n'a pas le même glamour, forcément. Ça ne dit peut-être pas la même chose. Mais finalement, parfois, je me dis qu'on pourrait faire la même chose. Recenser les rues, les noms sur les monuments aux morts, tout ça. Mais avec aussi presque, alors c'est pas uniquement ça, mais dans une approche qui pourrait être aussi seulement poétique, pas forcément sociale. Après, c'est vrai que les détails, tout à l'heure, quand on discutait avant, vous parliez de la précision sur les supermarchés, sur les noms de supermarchés, sur les pharmacies, sur le nombre de pharmacies allant se soigner, tout ça. C'est vrai qu'étrangement, ce sont des détails auxquels je tiens, des choses sur lesquelles j'ai envie d'être précise, alors que précisément sur la géographie du Jura, je m'autorise beaucoup de liberté. C'est un paradoxe, mais c'est-à-dire que dans ce livre-là, tout ne colle pas à la réalité géographique du lieu. Je m'autorise à situer tel village autour de tel lac ou à faire d'un petit village, un bourg, mettons, quelque chose d'un peu plus gros pour les besoins de l'histoire. Et je pense que je me l'autorise précisément parce que je parle d'un coin que je connais, où je vis et vis-à-vis duquel j'ai pas de compte à rendre. Si je situais cette histoire, ou si j'écrivais un livre qui se passait dans un endroit où j'ai jamais mis les pieds, j'aurais
le souci d'aller chercher des détails sur Internet, éventuellement même pour ne pas froisser les locaux, pour pas... ce qui serait probablement idiot, mais bon... Et j'oserais pas me permettre de situer tel étang au bord de telle route si c'est pas la réalité. Donc je prends ces libertés. Par contre, je veux pas tricher sur les noms de supermarchés. Je triche avec les villages, la taille des agglomérations, la situation des lacs et des routes. Mais quand il est question de parler des de la répartition géographique précise des types de supermarchés dans la région, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des Auchan à tel endroit et des... Voilà, c'est très détaillé, c'est une demi-page, un moment de où il se fait couper d'ailleurs, parce que visiblement ça n'intéresse que lui. Ouais, mais ça n'intéresse pas grand monde, quoi. Je ne sais pas si ça vous a intéressé, mais c'est une page, peut-être typiquement chez les locaux, qui suscite de l'agacement. On dit, ouais, mais là, quand même, on s'en fout de la liste des supermarchés. Alors déjà, ce n'est pas une liste, c'est intégrer un dialogue, c'est un peu plus vivant que ça. Mais quand je fais ça, en général, mes proches ou mes premiers lecteurs, et finalement, ça intéresse d'autres lecteurs. Donc bon, puis moi, j'y tiens à ça. Mais oui, je ne triche pas. En plus, il n'y a pas... Il y a des supermarchés que vous avez peut-être... ici à Paris ou dans vos villes ou dans vos régions un peu lointaines, je ne sais pas, qui n'existent pas, dont on ne trouve pas d'enseigne autour de chez moi. Puis j'ai l'impression que ça dit quelque chose même. Il faudrait colorier peut-être par tendance, mais par exemple des Aldi, je pense que c'est quand même un supermarché discount qui est réservé à l'est de la France, qui vient d'Allemagne, mais non, ça ne vous parle pas ? Vous ne connaissez pas, voilà. Si. Moi, je peux témoigner de l'importance des Super U en Pays de Loire, par exemple, et je pense qu'il y en a moins dans l'Est. Voilà. Ouais. Il y en a à Paris, mais alors c'est vraiment, par exemple, en Vendée, chaque bled a un Super U et parfois un Hyper U, hein, pour préciser. Ouais. Non, mais j'ai l'air de sourire, mais je trouve ça extrêmement intéressant et en fait extrêmement profond. Alors, vous allez me suivre ou pas, vous pouvez le mettre en défaut. Sans grandiloquence, il me semble quand même que situer les choses comme ça et faire ce qui a l'air d'être un contre-pied a priori, parce que ces régions-là, d'un point de vue parisien ou autre, hein, parce que moi je ne suis pas parisien, mais je vais regarder l'Est et le Jura d'un point de vue sans doute exotique ou typique, oh les jolies montagnes, oh la jolie nature, de faire la liste des supermarchés, c'est restituer quelque chose de ce réel-là. Ce sont des endroits a priori ignobles au sens étymologique, c'est-à-dire qui ne sont pas dignes d'intérêt pour l'art ou la littérature a priori, mais qui font tout autant que les bois, parce que les bois ils y sont aussi, hein, la nature du Jura est liée, qui sont tout autant importants au sens où ils font partie du rapport au monde des gens qui y vivent. Et en ce sens-là, je peux le relier à... On en a beaucoup parlé l'année dernière puisqu'il y a eu le Goncourt, mais effectivement, le travail de Nicolas Mathieu, il était intéressant, au-delà de son engagement social, sur son sens du détail à reconstituer ce qui fait sens aussi, quoi qu'on en pense esthétiquement, dans ces villes-là, puisque ça en fait partie. Ouais, c'est aussi la réalité du monde rural aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fantasme peut-être beaucoup dans les livres la vie dans les bois et puis en s'imaginant qu'on croise 10 cerfs et 25 renards par jour. Mais ce n'est pas le cas. La réalité de la vie dans les campagnes aujourd'hui, c'est des boîtes de nuit un peu pourries, perdues au milieu de nulle part, des stations-service qui prennent la place des anciennes gares, c'est des supermarchés, des zones artisanales un peu en déshérence, c'est plein de bâtiments durs aussi qui ne servent plus à rien et qui des anciennes colonies, des églises même où il n'y a plus d'office, je ne sais pas si on dit office, ça fait un peu, vous allez croire que je m'y connais alors que je ne connais rien à la vie paroissiale, mais des écoles beaucoup évidemment et des bâtiments qui ont été construits en pierre et qui sont trop grands, des hôtels à l'abandon autour de chez moi, il y a plein de choses comme ça. Et voilà, situant une histoire dans cet univers, c'est naturel. Et je pense que c'est aussi tout simplement que quand on est de quelque part, et c'est le cas aussi de Nicolas Mathieu quand il parle des Vosges, eh ben on propose forcément une vision qui est un peu débarrassée des clichés, des fantasmes, quoi. Et on peut même tenir à ça, travestir ou exotiser, enfin... Oui, puis même à ne pas chercher à fructifier autour des fantasmes. Parce que parfois, on a l'impression qu'il y a
il peut y avoir une facilité aussi, une forme de complaisance toujours nous raconter les mêmes histoires, en fait, et toujours retrouver les mêmes figures. C'est peut-être rassurant, mais c'est, moi, je trouve que c'est un peu lassant. C'est ce que je disais aussi parfois. Quand on situe une histoire à la campagne et qu'on a affaire pour la xème fois au personnage du paysan un peu rustre, bourru, qui dit rien, qui frappe sa femme et tout ça, non seulement c'est un cliché qu'on a un peu marre de... On en a un peu marre de voir, mais en plus, c'est pas le reflet d'une réalité aussi importante qu'on pourrait le croire, en tout cas vu la masse de personnages de ce type-là, quoi. Et la vie à la campagne, à notre époque, c'est quelque chose d'assez complexe. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'intéresse souvent d'observer, c'est d'ailleurs la contradiction entre ce qui se passe à l'extérieur, donc avec ces églises, ces monuments aux morts, ces vieux lavoirs qui sont toujours là et qu'on a du mal à raser ou à transformer, et ce que sont les intérieurs aujourd'hui des jeunes couples d'ouvriers, des trentenaires, quadras, qui n'ont absolument plus rien à voir avec le paysage extérieur, c'est-à-dire que n'importe quel ouvrier de 40 ans a son écran plat, son mobilier un peu design, qui est finalement la façon dont se meublaient les personnages de Bret Easton Ellis il y a 40 ans à New York, quoi. Et finalement aujourd'hui, l'intérieur l'univers esthétique dans lequel vivent les ruraux ne ressemble plus du tout à la géographie du territoire, quoi. Même c'est-à-dire qu'on peut avoir le même intérieur dans un tout petit village que dans un appartement parisien. Sauf qu'on a tous les jours devant chez soi un troupeau de vaches qui passe et qui macule la route de bouse de vache. Et on est sans arrêt pris dans cette sorte de contradiction. Et alors le livre, s'il est avant tout romanesque et que le romanesque fonctionne depuis ces détails-là, c'est-à-dire les personnages existent et on avance avec eux, produit aussi du romanesque depuis des éléments d'information presque documentaire, c'est-à-dire que le trail, je ne sais jamais si on dit, certains disent trail ou trail, ça dépend des régions et des accents, qu'il y a au milieu du livre est un élément assez capital dans l'intrigue et un élément de comédie, mais c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur de restituer, c'est-à-dire comme une des réalités de la vie à la campagne dont on n'a pas forcément conscience, enfin voilà, de dire, et les alambis aussi dont vous faites mention un moment, de dire aussi, même si ce n'est pas la fonction première de votre livre, de dire quand même aussi comment ça se passe maintenant, de nos jours, à la campagne, dans le Jura en l'occurrence. Oui, la société des loisirs, elle est là partout. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ce qu'on fait avec nos enfants le week-end, c'est... On peut les emmener à l'acrobranche, par exemple. Et donc, oui, je voulais aussi situer l'histoire dans cette réalité-là de cette campagne des trails. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un trail. Est-ce que ça vous parle, le mot trail? Oui? Oui. Et qu'est-ce que c'est, alors? Ah. Une bande-annonce. Ah ouais. Un trailer. Un trailer, ouais. Ressemble. Hein. Ouais. Alors là, il s'agit d'un type de compétition sportive, d'une pratique sportive. Un trail, c'est une course à pied avec beaucoup de dénivelé positif. C'est tout simplement une course à pied qui se pratique dans un univers un peu montagnard, quoi, à la montagne. Et c'est vrai qu'en plus, c'est quelque chose qui est très simple à organiser puisque ça nécessite aucune infrastructure, on utilise tout simplement le paysage qu'on a sous la main.
Et oui, c'est l'équivalent du marathon ou des petites courses de 10 km qu'on a dans les villes et villages. Et c'est vrai que ça a énormément de succès depuis une dizaine d'années. Il faut croire qu'on a besoin de choses un peu intensives. Et c'est la même chose avec les accrobranches qui sont tout aussi typiques, c'est-à-dire que les parcours accrobranches autour de chez moi, il en pousse un par an, quoi. Comme c'est plein de grandes forêts d'épicéas qui sont, mettons, des très gros sapins, les épicéas, on y installe des plateformes qu'on relie par des tyroliennes. Et puis, qu'on soit gamin ou adulte, on a l'occasion de vivre quelques sensations fortes le temps d'une heure, quoi, ou d'un après-midi. Et voilà, exactement comme ce que je racontais à propos de, à la fois du type de fiction, du type d'histoire, mais aussi des enseignes commerciales, des types de bâtiments ou des types de loisirs. C'est avec cette réalité-là que j'ai composé ce texte, ouais. Et puis que j'ai envie de que je continue à écrire même. Mais je vois presque pas comment on peut faire autrement, ou alors à s'enfermer un peu dans sa tour d'ivoire ou quoi. Mais c'est peut-être lié à mon âge, je sais pas. Mais comme je suis encore du fait des enfants, du fait du travail, beaucoup dans des pratiques quotidiennes, dans des pratiques concrètes qui sont pas liées à l'écriture ou à des activités intellectuelles ou quoi. Bah, je fais avec. Et je crois que c'est le souci parfois de certains auteurs de garder une prise avec le réel, comme on dit. Alors moi, c'est pas un choix pour l'instant, mais c'est vrai que c'est. Pour l'instant, je vais pas chercher une matière en me documentant ou en provoquant des situations. C'est à partir de ce que je vis que j'écris, quoi. Ça, c'est intéressant parce que vous le dites régulièrement, c'est à partir de ce que je vis que j'écris, et pour autant ce ne sont pas véritablement des autofictions. Enfin, le personnage principal n'est pas vous, mais c'est de ce que vous prélevez sur le terrain, et à chaque fois vous le faites, ou très souvent, dans des formes différentes, c'est-à-dire qu'il y a une forme de fiction différente. Il y a eu l'étoile de Otakam qui était quelque chose de totalement fictionnel, et puis il y a eu l'homme des bois, le précédent, qui était beaucoup plus documentaire, dont j'aimerais qu'on parle un peu. Parce que je voudrais pas qu'on ait eu l'air de dire qu'il n'est question que de supermarché. Il est aussi beaucoup question de la forêt, c'est-à-dire que la région, elle est appréhendée dans sa globalité. Et les bois sont très présents en tant que paysage. Je ne sais pas si on m'entend encore. Oui, ça va ? Parce que moi, j'entends du souffle assez fort. Sont très présents en tant que paysage et comme élément d'intrigue dans ce livre-là. C'est-à-dire que, y compris de fantastique d'ailleurs. C'est-à-dire que cet élément de votre ordinaire, les bois, ils sont autour de chez vous. Vous en faites, dans ce livre-là, un décor et un ressort du fantastique et de l'inquiétude qui vient. Et encore une fois, on ne peut pas spoiler, hein, même si on fait le trailer. On ne va pas dire quoi, mais ils sont particulièrement inquiétants. C'est-à-dire que là, il va marcher dans les bois et elles sont très, très inquiétantes, ces marches dans les bois. Bah, on va relier les points parce que tout à l'heure, on a parlé des pharmacies. Donc, il se trouve qu'à un moment donné... Le narrateur se blesse, ensuite sa blessure s'infecte. On peut considérer même que la partie où la blessure s'infecte correspond au délire dans lequel il est suite à ce retour, à la question qu'il pose à sa femme, à l'absence des enfants. Et l'infection va si loin qu'il doit se faire opérer, ce qui va provoquer une nouvelle bascule. En fait, les bascules, les twists narratifs dont je parlais tout à l'heure sont indexés sur l'évolution de la blessure au pouce de Bobby. Et après l'opération, il va suivre un traitement auquel il va prendre goût, puisqu'il s'agit d'un traitement au tramadol, des antidouleurs opiacés qui, en abusant légèrement, peuvent vous provoquer un effet un peu planant et éventuellement agréable. Et j'associe du coup son état un peu altéré, un peu divagant, avec des errances en forêt. J'avais envie d'aborder la forêt. Oui, là pour le coup c'est peut-être un peu cliché, mais dans ce qu'elle peut avoir d'inquiétant mais aussi d'enveloppant. Donc des errances nocturnes dans des grandes forêts de sapins
défoncé au tramadol avec en plus de ça un demi-litre de d'eau de vie faite maison dans la tête, ça provoque quelque chose d'assez planant. J'aime bien ces effets-là au cinéma. J'ai l'impression qu'au cinéma, c'est plus facile de créer ce genre d'effets. On met de la musique, éventuellement, on altère le rythme de l'image, un ralenti, un peu de lumière, des filtres de couleurs, je ne sais quoi. Mais en tout cas, dans un livre, alors bon, on peut le faire par l'écriture, mais je n'ai peut-être pas les qualités pour ça. Donc, je suis intervenu directement sur l'état du narrateur, quoi. Et à partir du moment où je dis qu'il est défoncé, on accepte déjà l'idée qu'il y a quelque chose d'un peu flottant. Et si on ajoute à ça des errances en forêt, la nuit... Donc oui, la forêt est un petit personnage du livre. Et puis la forêt, c'est la moitié du territoire du Jura, en sachant qu'il y a une grande partie du Jura qui n'est pas du tout boisée. Et c'est vraiment l'endroit en plus où j'habite. Et c'est aussi un écho à mon enfance, c'est aussi au livre d'avant qui s'appelle donc L'homme des bois, qui est l'histoire, qui est un texte totalement autobiographique sur la mort de mon père qui est tombé en forêt, en se promenant en forêt, voilà, et qui est tombé d'une falaise. Et c'est suite à cet événement que j'ai décidé de retourner vivre dans le Jura et que je me suis moi-même même reconnecté avec ce territoire, puisque vous évoquiez L'étoile du Haut-Akam. Bon, c'est un livre un peu anecdotique, mais qui, pour lequel j'avais fait le choix de ne rien situer dans le Jura, de ne pas du tout évoquer cet endroit-là, qui finalement est assez fondamental pour moi. C'était une période de ma vie où je rejetais mes racines rurales, et voilà. Et puis la mort de mon père m'a ramené à ça, et je me suis rendu compte que finalement, ça avait, quoi, ce qui avait du sens pour moi, c'était d'être proche de ce territoire-là. Et donc dans L'homme des bois, quoi, suite à la mort de mon père, j'ai évidemment arpenté en long en large à la fois l'endroit où il est mort, l'endroit où on allait se promener petit, l'endroit où j'ai grandi, puisque j'ai pour le coup vraiment grandi en plein milieu de la forêt. Et puis et j'ai retrouvé des choses à dire, en fait, je crois, j'ai retrouvé des choses à raconter, même suite à L'homme des bois. C'est ce que je racontais tout à l'heure, j'avais essayé un livre qui était raté. Je pense que ma femme avait raison sur la question, et je me suis un petit peu cherché, et finalement je me rends compte, plus ça va, qu'il faut que je fasse, bon, c'est ce que j'ai déjà dit 12 fois je crois depuis le début, mais avec ce que j'ai de plus évident et de ce qui est le plus près de moi, quoi. C'est aussi presque une condition à la poursuite de l'écriture pour moi, en tout cas. Je ne saurais pas faire autrement, et j'ai pas fait d'études de lettres, je ne suis pas ce genre d'écrivain qui va s'emparer d'un sujet, l'aborder d'une manière, quelle qu'elle soit, conceptuelle, très documentaire, etc. J'ai besoin d'avoir un lien intime, en fait, avec ce que je raconte. Et sans ça, je crois que je ne vois pas vraiment de sens. Du point de vue du lecteur, moi, je remarque des constructions remarquable, pour faire un pléonasme. C'est-à-dire que, encore une fois, on ne peut pas spoiler, mais la fin du livre est vertigineuse. Donc ça vaut vraiment le coup de lire jusqu'au bout. Hein. Vous n'allez pas en revenir, pour le faire publicitairement. Ça m'a d'ailleurs fait penser, par certains aspects, à un autre livre encore de chez POL, qui s'appelait « Double nationalité » d'Ina Yargekov, qui a eu le prix de Flore il y a 3 ans, qui était un livre très différent, drôle également par pas mal d'aspects, mais qui, à la fin, vous fait vous dire, ah, en plus, il y a ce travail de structure. C'est-à-dire que là, je me permets de vous renvoyer un compliment par rapport à ça. Moi, je pense que oui, il y a un travail d'écriture, de mise en forme, étude de lettres ou pas, qui compte énormément. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, ce qui fait que ça produit du roman, que ça produit de la fiction, qui fait qu'on y croit, et que du coup, le réel dont vous voulez nous restituer quelque chose, bah, par effet d'empathie, on y entre. Mais je vais en revenir à L'homme des bois, parce qu'on a parlé des enfants des autres assez longtemps, puis là, on est juste à la limite où on spoilerait si on continuait. Donc, il faut maintenant le lire. C'est l'avant-dernier, L'homme des bois.
Alors, il ne doit pas être en vente ici, mais enfin, il se trouve facilement. Et puis, sur, ça rejoint certaines des questions qu'on a creusées, déjà, cette histoire de bois. Et puis aussi sur ce qu'essaie de creuser le festival, à savoir des rapports entre la part documentaire de l'écriture et la part fictionnelle, et comment tout ça peut s'agencer pour inventer des formes ou des choses. Ce que raconte le livre, c'est quelque chose de très simple, c'est un hommage au père disparu. Ce qu'il fait et la façon de le faire, de se mettre en position d'enquêteur, du coup provoque... sans faire trop long, mais provoque une sorte de mise à distance qui nous émeut d'autant plus parce qu'on peut l'appréhender. C'est-à-dire que cette vie, non pas minuscule pour citer Michon, mais une vie ordinaire encore une fois, évidemment nous révèle que toute vie ordinaire est bien plus grande que ce qu'on s'imagine. C'est-à-dire ce dont vous vous rendez compte en cours de route, c'est que votre père a une vie très pleine, pleine de plein de choses, et que sans doute comme tout être ordinaire, eh ben, sa vie elle est immense selon d'où on la regarde, mais ça vient je pense hein, de la focale que vous mettez, c'est-à-dire du choix narratif de procéder en enquêteur distancié. C'est ce qui permet, me semble-t-il, qu'on se l'approprie. Mais là aussi la position d'enquêteur, c'est la situation, la façon dont mon père est mort qui me l'a imposé. C'est-à-dire que il y avait... Et d'ailleurs, c'est peut-être la dimension fictionnelle ou romanesque de cette histoire qui a fait que j'en ai fait un livre, sans quoi j'aurais peut-être pas osé me coller à l'exercice du livre de deuil, quoi, qui est quelque chose qui semble assez rebattu et tout ça. Et il se trouve que tout simplement, c'est un peu comme avec les enfants des autres... autour des circonstances de l'événement, il planait plein de mystères, plein de questions non résolues, et c'est justement ces questions-là, ces questions en suspens, et qui le restent jusqu'au bout, pour le coup, puisqu'à la fin, j'accepte de ne jamais vraiment savoir comment mon père est mort. C'est ces questions-là qui ont déclenché l'écriture du livre. Donc il faut croire que c'est plutôt des choses, quoi, des appels d'air, quoi, c'est qui m'amène à écrire plutôt que des certitudes ou une volonté de dire des choses ou de tenir un discours. C'est quand je vois la possibilité, au contraire, de quelque chose d'ouvert et de complexe, et qui va peut-être me donner l'occasion jusqu'au bout de ne pas donner de réponse, que là je me dis bah il faut que j'y aille, et en sachant que même jusqu'à la fin je donnerai pas une réponse arrêtée, quoi. Voilà, c'est ce qui motive mes entreprises d'écriture. Merci. Peut-être avez-vous des questions. Je peux faire passer mon micro, notamment les lycéens et lycéennes qui ont lu le livre. T'en as, merci. Il nous reste encore 5 minutes. Et ensuite, vous pouvez vous adresser également directement à Pierrick autour d'une table de dédicace qui est là. Donc, mesdemoiselles. On voulait savoir, est-ce que l'histoire que vous avez écrite, elle est inspirée de faits réels ou pas ? Jusqu'à preuve du contraire, mes enfants sont bien les miens. Et je crois, de manière générale, que beaucoup d'histoires sont inspirées de faits réels, qui sont plus ou moins gros. Et quand bien même on écrit un livre de science-fiction ou quelque chose qui se passe sur la Lune, je pense quand même que le fait que ce soit une personne en particulier qui décide de l'écrire, et ben ça raconte quelque chose de cette personne et même de sa vie. Donc toutes les histoires sont d'une manière ou d'une autre inspirées de la vie de l'auteur. Allez-y, n'ayez pas peur. Est-ce que vous trouvez le métier d'auteur difficile ? J'en parlerai pas comme d'un métier. Donc, c'est une activité très particulière qui implique, à mon avis, d'aimer, d'avoir un certain goût pour la solitude, voire un besoin d'indépendance. Je pense que c'est ça qui amène pas mal de gens à écrire.
Et non, après, pour justement faire en parallèle à ça et avoir fait beaucoup d'autres métiers très manuels, très répétitifs, de l'usine, des missions en supermarché, pour le coup, beaucoup, je dirais pas que c'est difficile, non. Il existe plein d'autres métiers qui me semblent autrement plus difficiles que celui-ci. Les garçons n'osent pas poser de questions. Combien de temps doit-on prévoir pour écrire un livre ? Ça dépend des livres. Désolé, c'est pas très précis, mais c'est une très bonne question. Mais il y a des livres qui peuvent s'écrire, mettons, en 3 mois. Ça me semble très court, moi. Mais moins, j'aurais du mal à l'envisager. Je crois qu'il y a des livres qui s'écrivent en 3 semaines. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien que ceux qu'on écrit en 3 ans. Mais on peut aussi y passer 3 ans. Ça peut être très, très long. Puis vous voyez très bien qu'il y a des petits et des gros livres. Donc on peut imaginer que les petits livres sont un peu plus rapides à écrire que les gros livres. Peut-être pour compléter la question en précision, et on prend la vôtre après, c'est à quel rythme vous l'avez écrit ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sur une astreinte quotidienne d'écriture, ou c'est quand ça vient, voire quand c'est possible par rapport à d'autres contraintes ? Voilà, c'est quand c'est possible, quand j'ai un peu de temps pour ça et quand les enfants sont à l'école. C'est très concret. Il y avait une question au fond, mademoiselle ? Alors, j'ai une idée. Pourquoi vous nous recommanderiez-vous votre livre ? Je recommence. Pourquoi vous nous recommanderiez-vous votre livre ? C'est bon ? Je suis désolé, mais je ne vous le recommande pas, en fait. Je ne suis pas là pour ça. Et vous faites ce que vous voulez. Si j'avais des livres à vous conseiller, je pense que je penserais à plein d'autres livres avant de vous parler des miens, quoi. Mais je vous recommande de lire, par contre, d'essayer de trouver quelque chose qui... Je ne sais pas... De lire des romans peut-être que Guenel est mieux placé que moi pour vous conseiller des livres, mais qu'est-ce que je pourrais vous recommander comme lecture ? Il y a un petit polar que j'aime beaucoup conseiller qui s'appelle Demain c'est loin d'un jeune auteur qui s'appelle Jackie Schwartzman. C'est un livre qui m'a fait beaucoup rire et voilà, si vous pouvez noter quelque chose. Ah, un garçon. Vas-y, je crois que c'est toi, oui. Non, j'avais une question. Est-ce que c'est arrivé qu'à des moments vous vous bloquez dans l'écriture du livre ? Oui, c'est arrivé dans celui-là. C'est-à-dire que, en effet, la fin résout l'intrigue, si on l'envisage un peu comme un roman policier. Et en même temps, je n'avais pas la fin en commençant l'écriture. Donc il y a eu une première version qui ne contenait pas cette fin, d'ailleurs, qui donne beaucoup de sens au livre. Donc peut-être que... Et voilà, je l'ai laissé reposer un peu. Donc parfois, c'est pareil, je rebondis sur la question du temps d'écriture, mais je pense qu'on écrit tout le temps. Quand on écrit des livres, on écrit tout le temps, on écrit... La nuit, on écrit en se brossant les dents, on écrit en conduisant, on écrit en faisant l'amour, on écrit tout le temps. Et parfois, écrire, c'est pas avec un stylo, quoi. Construire un roman, c'est aussi y penser pendant, quoi, consacrer déjà du temps à seulement y penser. Ah, un autre garçon. Merci. Merci. Bonjour. Vous venez de dire que vous avez eu une première version. C'est vous qui avez décidé de modifier ou c'est l'éditeur qui est intervenu ? Et dans ce cas, quel est l'impact de l'éditeur, si vous avez un dialogue avec lui ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est le narrateur. Est-ce qu'à un moment donné, il décide de son histoire qui vous échappe ? C'est-à-dire que lui devient un personnage face à vous ? Je ne sais pas si je suis clair dans la question, dans la deuxième. Le personnage, tout simplement, oui. Tout simplement, c'est quelque chose qu'on dit souvent, qu'un personnage échappe à son auteur et qu'il nous guide. Et je pense que c'est même... Quoi, l'explication à ça, elle est assez concrète. C'est qu'à partir du moment où on dote un personnage de tout un tas d'attributs, ces attributs font sens pour dans son parcours. Et si on veut continuer
à faire exister ce personnage, on doit faire avec les attributs qu'on lui a collés, on doit faire avec ce qu'il est. Sur la question du retravail, disons que cette première version, en effet, l'éditeur l'a lue et il a fait des suggestions où il a évoqué la possibilité que la fin ne soit pas tout à fait aboutie ou qu'il faille continuer à y réfléchir. Il ne m'a pas donné de pistes de réflexion, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est un peu le rapport à l'éditeur un peu particulier chez POL, puisque l'éditeur a changé, puisque l'éditeur historique Paolo Tchaikovsky-Laurence est mort il y a 2 ans, mais j'ai l'impression que le nouvel éditeur est assez proche de la façon dont travaillait POL avec les auteurs, et c'est plutôt quelqu'un qui travaille peu avec qui reprend peu les textes, qui il n'y a pas je crois que chez certains éditeurs il y a un vrai travail collectif, un vrai temps d'1 mois, 2 mois, des séances avec texte à l'appui et tout ça. Ça se passe pas comme ça chez cet éditeur. Mais il pose quand même la question, voilà. Et après, à vous de faire les choix. Voilà. Il est temps de s'arrêter. C'est l'heure de la dédicace. Merci beaucoup, Pierrick Bailly. Alors, lui ne saura pas vous recommander son livre. Moi, vous avez compris que je vous le recommande. Et pour les raisons évoquées, c'est-à-dire ses qualités effectivement documentaires, mais romanesques, et les deux liés, quoi. Hein, ça nous informe parce qu'on avance dedans et parce que les personnages existent. Et puis, il a l'air de rien la capacité à nous faire également sourire, même si c'est sourire jaune parfois. Et ça, c'est pas facile d'être sur ce fil-là, sans ironie pour autant, sans méchanceté avec les personnages. Donc, j'ai trouvé ça très joyeux aussi comme lecture, aussi étrange soit-elle. Donc, merci beaucoup, Pierrick. Merci de votre attention. Et puis, bonne suite de festival. Merci à vous. Merci. Merci, Guénel. Dédicace maintenant. Alors, c'est là la table de dédicace. Vous pouvez du coup poser aussi des questions en direct à l'auteur, de vous à lui. Tout de suite, le karaoké littéraire commence dans l'alvéole rencontre.